Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia. Invité par Jacques et Frédéric. Je laisse la parole à Lou qui a écrit quelques mots sur Libori-Noval. Voilà. Vous entendez là-bas, ça va? Oui. Je vais commencer par la fin parce que puisque Lionel a parlé, c'est vrai que Libo c'était notre pote, notre ami, il avait 78 ans et comme j'aime à le dire, c'est un gars qui avait 15 ans dans sa tête, un cœur d'or,
un géant, humainement parlant, et son corps de 78 ans, même Sandrine, c'est pareil, on dit, mais on lui donnait pas 78 ans, ce gars-là, et on pensait pas qu'il parte si vite, hein. C'est-à-dire avec le tel dynamisme qu'il avait, il devait pas partir. Voilà, c'était notre pote. Bon, mais on va pas pleurer quand même, parce que lui, il doit être mieux que nous quand même, parce que nous, dans le monde où on vit, à mon avis, c'est pas pour rien qu'on fait une indignation quand même. Mais j'aimerais quand même vous lire avec un petit peu d'humour, parce que le vrai organisateur, c'est Lionel, franchement. Et je voudrais vous lire. Quoi, hein, et voilà, ça commence. Bon, tiens, tu prends le chapeau. Voilà, allez, voilà, tu prends le chapeau. une correspondance qu'on a eue tous les deux, c'est pour vous dire un peu comment ça se passe. Est-ce que tu veux que je te mette sur l'affiche, hommage à Liborio Noval? J'ai commandé 10 cadres en 40, 50 pour 10 photos, etc. Bise, Lionel. Réponse. C'est super gentil, Lionel. Biscotte, nous avons perdu un très grand ami et surtout un géant, humainement parlant. Ce type était formidable, inoubliable, et je t'avoue, je n'ai pas les cadres beautiful comme tu en as. Faudra juste faire attention aux photos, mais je sais que là-dessus, tu es un as des as, etc., etc. Bisous, Lou. Je ne t'enverrai plus jamais. Réponse de Lionel, c'est pour ça. Tout va bien, mon loup, sauf que j'ai renversé ma grenadine sur les photos de Tché, mais comme cela, elle colle mieux sur le support, et que la grenadine, c'est mieux que la menthe à l'eau, et que ça donne un petit côté pompon rosé au Tché. Et moi, je suis à Collioure, je reçois ça, je vois que toi. Ce qui est d'un plus bel effet. Donc, merci pour tout, fais attention, car tu vas te faire Limoges, et si tu n'es pas sage... Oui, parce qu'il fait des jeux de mots en plus. Bise à la loup, et un peu pour toi, merci. Bon, la Lou, c'est ma copine, évidemment. Et il m'envoie encore plus tard. Ça y est, mon loup, toutes les photos sont encadrées. Ouf, j'ai recoupé tous les bords comme il faut. J'ai refait avec un bon stylo toutes les signatures. Et j'ai rajouté la mienne. Voilà, tu seras content. Bise, Lionel. Réponse à imparable, évidemment. On va faire l'hommage à Lou. Non, pas l'hommage à Lou. À Liborio. Ah, je suis pas encore mouru, attendez. Je vais... J'ai un petit texte que j'ai pioché plein de choses de Liborio essentielles qu'on voit dans la presse. Un texte d'Antonio Guerrero, l'un des 5 Cubains emprisonnés aux États-Unis depuis 15 ans. Et vous avez ensuite l'explication sur Antonio, les 5, etc. Et ça, c'est essentiel. Et en plus, vous aurez la bonne mine. Et vous êtes vraiment très jolie, je vous le Ensuite... Sandrine, ma chérie, qui a fait un hommage que je vais vous lire. Ensuite, moi, j'en ai fait un. Et après, ça suffira, parce qu'il faut boire et manger. Quand même. Alors, Liborio Noval, éminent photographe cubain, est décédé à l'âge de 78 ans. Il est considéré comme l'un des témoins les plus remarquables de la révolution cubaine. Il a commencé sa carrière en 1951 dans une agence de publicité, puis dès 1959, a travaillé pour les quotidiens Révolution et Gramna, dont il est l'un des fondateurs. Ses photographies ont remporté plus de 30 prix dans les compétitions nationales et 3 prix internationaux, parmi lesquels on trouve une vitrine remarquable sur la guerre dans la jungle vietnamienne, puisqu'il était correspondant de guerre dans les conflits au Vietnam et au Nicaragua. En plus, c'était pas un trouillard. Hein. À propos de ses photos, Liborio Noval a déclaré il y a quelques années « L'émotion est vraiment nécessaire dans notre profession, tout autant que la patience. » Si c'est un portrait, il doit refléter la personnalité, le monde intérieur de l'être humain, surtout par le biais de son visage. Il doit y avoir un fluide interne, une communication entre le photographe et les images. Dans le cas contraire, ça ne fonctionne pas. C'est pour cette raison que je dis que les photos doivent être prises avec le cœur. Liborio. Antonio, depuis la première fois que nous avons conversé au téléphone, en prison, il m'a dit avec une voix joviale, familière, affectueuse et ferme, « Si tu dois avoir un compte avec moi, que ce soit ça, demande-moi la photo que tu veux. » Quand il a vu le portrait de Che que j'avais réalisé à partir de l'une de ses photos légendaires, au pastel, il n'a pas tardé à m'envoyer une vingtaine d'autres photos historiques que je garde toujours jalousement. Ses papillons volaient dans ma cellule et continuent toujours à voler, comme virevolter sa cubanité, sa fraternité et son enthousiasme pour tout. Exposer mes œuvres à côté de ses photos en France a été le plus grand honneur que j'ai eu durant toutes ces années. Je conserve aussi les photos de lui avec ma sœur et les autres amis qui ont monté cette exposition. Après avoir reçu aujourd'hui une visite consulaire qui tant nous rapproche de la patrie aimée, j'ai appris l'annonce douloureuse de son décès
par les emails de ma famille, des amis de Cuba et de diverses parties du monde. Il y a quelques semaines, nous échangeions quelques idées sur une commande que j'ai faite. Nous nous amusions sur le dos de ce qu'il appelait « le vieux ». Nous avons un projet en cours avec des photos de José Martí. Dans chaque trait de chaque portrait, je ferai que notre frère éternel Liborio Noval sera présent, parce que la mort n'est pas vraie quand l'œuvre de la vie a été bien faite. Antonio Guerrero. Sandrine, elle se tourne, mais c'est elle qui l'a écrit. Liborio, un homme extraordinaire qui arrivait à dormir le cigare à la bouche dans un lieu public, assis sur un banc. Il récupérait comme ça, il n'avait pas besoin de beaucoup de sommeil pour être en forme, plein de vitalité, il aimait être entouré d'amis. Il ne demandait pas grand-chose, mais sa préoccupation la plus importante, je crois, c'était d'obtenir les médicaments nécessaires pour soigner sa femme. Un homme au grand cœur, que l'on retrouvera toujours au travers de ses photos exceptionnelles. Il ne nous a pas raconté grand-chose sur le trajet de sa vie, mais il était fier d'avoir pu partager un moment de son existence avec le Che et de connaître en personne Fidèle. Je me souviens également du jour où il a reçu la médaille d'honneur de la ville d'Alenia. Il ne comprenait pas pourquoi on le remerciait d'avoir participé à cette exposition. Pour lui, c'était simplement un partage, permettre aux gens de découvrir le Che à travers ses photos, souvent inédites en France. C'était Liborio Noval, partager, offrir, donner sans rien demander en rechange. Une grande leçon de vie, comparativement à tous ceux qui veulent toujours recevoir sans jamais rien donner en retour. Un souvenir. Quelle ne fut pas notre surprise lorsqu'il nous a raconté, en voyant le lit que nous lui avions préparé, qu'il pouvait tout aussi bien dormir à même le sol. Il avait appris cela en côtoyant le Che, bien sûr, dans les premières années de la Révolution. Pour lui, ce n'était pas un problème, car il estimait que tout ce que nous possédions n'était finalement que du luxe. Et moi, pour terminer, quand même. C'est de l'ami dont je voudrais vous parler. Celui qui, lors de son séjour à Collioure, lavait ses slips et ses chaussettes sous la douche pour économiser l'eau, comme au temps de la période spéciale à Cuba. Cet ami avec les yeux pétillants, cigare au bec, avec cette faculté de s'émerveiller de choses simples, comme un gamin de 15 ans dans un corps buriné par le temps, du haut de ses 70 et quelques années. Avec aussi cette capacité de s'indigner devant l'injustice et de nous le rappeler. Un jour, il m'a écrit « Le principal, c'est de toujours regarder au loin et d'aller de l'avant. » C'était l'ami solide sur lequel on peut compter et qui se rit de l'adversité. Liborio Noval a promené son appareil photo de par le monde en tant que journaliste, couvrant la guerre du Vietnam comme du Nicaragua, côtoyant de grands hommes tels que Che Guevara, Fidel, Chavez, Arafat et le nom des moindres, Nelson Mandela, et tant d'autres. Mais c'était aussi un poète de l'image, pétrifiant sur pellicule des regards amoureux, des reflets, des serrures, des statuaires, des flaques d'eau, des vitrines, des étals, et tout ce qui confère au genre humain un peu de poésie et de lumière. Un souvenir, cette correspondance que nous échangions sur Internet presque chaque jour, lui le Cubain de la Havane, depuis tant d'années. C'était à celui qui s'envoyait les plus belles photos de charme, les plus délicieuses images érotiques, ses splendides demoiselles. Ses trois derniers mails, la veille de son départ, furent sûrement les meilleurs, comme un clin d'œil, un au revoir. À bientôt l'artiste, un jour ce sera à nous de te rejoindre. Avec toi là-haut, à tous les coups, nous ferons encore rire les anges. Merci. Merci. Nous avons perdu un grand artiste de la photographie, un journaliste, un révolutionnaire comme Pelesson, une personne exceptionnelle qui cultivait l'amitié la plus sincère avec les vertus d'un homme de principes et d'éthique révolutionnaire. Son œuvre photographique transcende le temps. C'est l'un de nos artistes là-bas qui s'appelle Juanicote, que nous adorons. Il était l'ami de tous les Cubains, l'ami de tous les hommes et des femmes honnêtes de la terre et d'une génération qui appartient à l'histoire. C'est une perte pour tous ceux qui foulent encore la terre et qui devront la quitter un jour. Et comme disent ceux qui croient au divin dans le ciel, nous qui sommes encore terrestres, nous te retrouverons, Liborio, dans l'éternité. À toi toujours, maestro, et dit Ochoa, Santiago. Comme les bons et vrais artistes de ce monde, ils partent toujours trop tôt. André Bilen qui est ici. C'était un être formidable. Il est toujours vivant, André. André, hélas, oui, un fouteur de merde fini, mais un très bon artiste. C'était un être
formidable, impossible à oublier. Il n'est pas vraiment parti, il est toujours là, mais cet être nous manque, car tellement utile, tellement humain, et surtout quel talent. Nous avons eu la chance de connaître et d'avoir eu un tel ami. C'est Guy Bourgneval. Bravo. André, explique-nous dans le cadre d'Art Live comment tu as rencontré Guy Bourgneval. D'abord, je l'ai rencontré par Art Live, donc par l'intermédiaire d'Art Live, c'est la première chose. Donc, en dehors du fait que c'était un grand monsieur, mais ça, on sait que c'est toujours très facile de le dire lorsque malheureusement ils ne sont plus là, mais c'était un très grand monsieur parce que c'est un monsieur qui avait le sens de l'instant. Donc, il était photographe, comme chacun sait, mais on sait que tout le monde sait prendre une photo. Mais la vraie difficulté, c'est de la prendre à l'instant, au bon moment. Et lui, il avait vraiment cette caractéristique, en plus du personnage qu'il a eu, enfin des personnages qu'il a eu l'occasion de rencontrer, il a eu la chance de pouvoir prendre chaque photo, il suffit de les regarder d'ailleurs, il suffit de faire le tour de ces photos pour se rendre compte que chaque photo était vraiment une photo d'instant. Et c'est un très grand monsieur, c'est dommage, malgré que c'est facile toujours à dire, c'est dommage, c'est vraiment une perte, parce qu'il avait encore beaucoup de choses encore à dire. D'ailleurs, il avait encore pas mal de projets, et on le sait au sein d'Art Life et tout, avec même avec ses amis. Et je voudrais vraiment que tous ses amis et tous ses proches sachent vraiment que pour nous, c'est vraiment une perte, parce que artistiquement et même humainement, c'était vraiment un très, très, très grand monsieur. Alors, cette exposition est à la fois une richesse et une source incroyable d'émotions. Aujourd'hui, nous devrions avoir près de nous une personne remarquable qui est décédée il y a quelques jours. Alors, c'était à la fois un hommage, mais compte tenu de ce que l'on nous a dit de cette personne-là, je pense qu'elle aimerait qu'on ait cette joie à partager à la fois le talent de tous ces artistes et aussi cette part d'indignation que nous allons faire vivre de toutes nos forces grâce aux artistes et grâce à l'engagement de cette personne qui nous a quittés. Donc je voudrais dire au nom du Conseil Général de la Haute-Vienne que j'ai le plaisir de représenter en tant que vice-présidente à la culture combien ce lieu-là qui est porté par nos amis en Haute-Vienne et singulièrement à Limoges, ce haut lieu de culture qu'est la Grange au Calèche, est vraiment un lieu qui accueille des grands artistes pour des grands moments. Alors vraiment, merci, grand merci.